Comment ça va le gang aujourd'hui? Mon nom c'est Shani et on se retrouve aujourd'hui, on est où? Plague Inc. Et on va essayer de s'amuser avec une nouvelle maladie, un petit fungus, un petit champignon mignon. Et dans l'idée, c'est un champignon venu de l'espace, hein. C'est mon idée de maladie du jour. On va avoir ce petit champignon mignon de l'espace, auquel on a ajouté nos petits gènes habituels. Et comme petit nom d'amour, j'ai déjà réfléchi, et vous le savez, j'aime bien réfléchir avec tout ça. Oh. Et on va l'appeler le Kamehameha, qui vient de Dragon Ball Z. Pour ceux qui ne le savent pas, l'attaque suprême, c'est le Kamehameha, mais là, ça vient du cul. Autrement dit, c'est l'énergie qui vient de l'intérieur du dedans. Et comme pays de départ, bien sûr, le Japon. Hein. Pensons à nos amis japonais. Hop. Clic. Les petits japonais. Ouh. Kamehameha commence dans la région Japon. Alors, dans l'idée, on va... Hop. Clic. On va avoir notre... Notre maladie qui va être silencieuse, c'est-à-dire qu'on va supprimer tous les symptômes à chaque fois, ça permet de gagner quelques points de mutation, d'ADN, voilà, j'ai cherché, les points AGGN, nouvelle réglementation rurale pour le bétail, blablabla, hop, Kamehameha, et on va faire une transmission, par l'air ou l'eau? Non, l'eau, en premier. L'eau, parce que je suis sur une île, alors je veux me séparer dans l'eau. Et dans l'idée, si tu as vu Dragon Ball, le premier épisode, tu sais très bien que Sangoku, notre ami Sangoku, Sangoku, c'est en mangeant du poisson qu'il devient malade. Dans le premier épisode, quand Bulma le rencontre, il mange du poisson, donc ça se transmet par l'eau. Ça explique qu'on est arrivé avec le poisson. On est le... Comment c'est la chanson Dragon Ball Z. Blablabla. C'est... Voilà, ouais. Et tu vois? Et c'est la quête finale du syndrome anal venu des étoiles, blablabla, et on s'en fout. Une fois qu'on s'est transmis par l'eau, on va utiliser notre aptitude de champignon pour évacuer par gaz. Un bon gros qui s'évacue, tiens, un truc bien méchant. Et allez, on y va. Japon, des soins freinent l'infection. Je vais te montrer comment on fait quand... Je bave et tout. Comme ils disent les Belges, je glette. Et... On résiste aux médicaments de type 1, c'est ce que je veux. Parce qu'on a un bon petit champignon venu de l'espace, donc on a une certaine résistance. Hein. Et donc, je disais, on va être une maladie silencieuse, avec la moustache qui me gratte. On va être une maladie silencieuse, donc on ne va pas faire de bruit, on ne va pas être repéré. On va enlever tous les symptômes. Dès chaque fois qu'on en a un comme ça, on va là, supprimer les symptômes, hop, toi, annuler l'évolution. Ouais, et ça va nous donner... 2 points d'ADN, c'était marqué en bas. Et comme ça, on va pouvoir développer notre transmission au maximum. Et une fois qu'on aura infecté la totalité du monde, dans une vague d'énergie ultime, nous allons infliger une surabondance de symptômes. Et on va se transmettre par les oiseaux maintenant. Parce que après les poissons, on infecte les oiseaux. Tu vois, j'ai lâché un gaz. Il y a un pigeon qui est passé, il a fait... Et il a chopé le petit Kamehameha, qui infeste des centaines de gens au Japon. Nul ne va nous résister. Vous allez tous mûrir. Et au passage, on tape dans les boules de cristal, c'est important. Philippines, des inondations massives. Chez les Philippins? Bon, tant pis. Ok. Bouboule de cristal... Kamehameha, des milliers d'infectés. Vous allez tous mourir dans d'atroces souffrances. Des kystes, j'en veux pas. Alors, avant de cliquer sur OK, ça met le jeu en pause, donc de suite je supprime ça, sinon ils sont capables de me trouver à la seconde près, t'sais. Allez. Parce que le fungus a une capacité qui est assez chiante, c'est-à-dire, sa capacité spéciale, c'est qu'on peut propager des nuages de spores, tout le monde le sait, en lâchant une bonne... On va lâcher le nuage de spores, mais tu vois, c'est pas très ce que je veux, quoi. Donc, il se déplace mal au niveau terrestre. Donc, on va utiliser les animaux à fond, le bétail, les pigeons et les rats. Et tout ça, ça lâche des gaz dans l'atmosphère qui vont répandre nos spores. Et par contre, quand ça va commencer à se répandre, vous allez voir, ça va faire un boom. Ok, donc en ce moment-là, c'est glandouillage intensif. Blablabla. Arrivé en Indonésie. Il y a un japonais qui est parti lâcher une caisse en Indonésie. Ça y est. Kamehameha a infecté plus de monde que la tuberculose. Il n'arrive même plus à parler. Il n'y arrive pas. Éruption cutanée. Cutanée. Oui, ça aurait pu aller, mais non, pas pour l'instant. Oui, parce qu'on n'a pas encore le cutané, là. Pour l'instant, on leur grignote de l'intérieur. Et voyez ce que je disais, nuage de spores.
Et ouais, mais non. Est-ce qu'on résiste mieux aux médicaments? Non, on va chercher à se transmettre. Il me faut 11 points, il me faut tant de points. Ok, ça va attendre un petit peu. Et regardez la vitesse où on commence à infecter. Une fois qu'on est là, hein. Faut savoir que plus tu manges, plus tu pètes, plus tu pètes, plus tu transmets le Kumehameha. Ok. Eh ben, pigeon niveau 2. Comme ça, quand ils vont chier sur les statues et sur les gens, ils vont transmettre le petit Kumehameha qui va descendre le long de la crotte pigeonnesque et venir s'infiltrer dans le cul des gens. C'est une maladie multisexe, au fait, hein. Ça affecte les hommes, les femmes, puisque vous êtes plus... Chaque fois, vous me l'avez demandé, mais comment ça fait pour les hommes, comment ça fait pour les femmes? Ben là, ça affecte les deux. Les deux souffriront. Hop, petite boule de cristal. On lui met un bon coup de pied dans les boules de cristal. Éruption cutanée. Encore? Il est décidé à avoir le cutané, hein. Vous voyez, c'est pas moi, c'est la maladie qui est comme ça, hein. Ne me traitez pas d'abruti ou quoi, c'est comme ça. Bon, on s'est infiltré un peu en Arabie Saoudite, j'ai l'impression. Enfin, je crois que c'est l'Arabie Saoudite, là. Hop, ah, petite boule de cristal. Hop. Allez, continuons. Avec la petite musique, bien stressante. C'est assez lent au départ à se mettre en place, c'est-à-dire que l'infection a du mal à démarrer, mais quand ça part, c'est, comme on dit, comme un pet sur la soupe. Allons-y, hop, petite boule. Royaume-Uni, des inondations massives. Ben en ce moment, on n'est pas loin de la vérité, mais c'est pas en Angleterre, c'est en France. Hein. D'ailleurs, soutien à ceux qui en souffrent des inondations. Oh, je vous avais dit, quand ça va arriver, ça va arriver. Et encore le cutané. Mais il est pas si tanné que ça, faut arrêter. Par contre, j'aime bien le terme éruption, ça va bien avec notre maladie. Hop, hop, on peut avoir les rats. Mais je veux d'abord prendre le mouton. Le mouton, viens ici petit mouton, mais pas de mes qui tiennent, pas. Hop, reprends la souris. Vous allez me traiter de salace à la fin, je crois, mais on s'en fout. Oh, regardez l'Arabie Saoudite, comment elle souffre. Et on affecte les pays alentours. Hop, oh, l'Australie, la boule de cristal, et hop, je sais pas quel pays c'était, mais on l'a infecté. Le mouton, je l'ai le mouton. Et alors, pour la transmission la plus simple, c'est pas parce qu'ils ont violé des moutons, non, non, c'est quand les vétos, ils viennent mettre leurs bras, tu sais, pour vérifier les bébés et compagnie. Mais... Il la chope sur le bras et ça se développe et ça glisse. Il va pas se laver les mains tout le temps, le véto, tu vois, et à un moment, il fait transpiration. Allons-y. Petite boule. La petite bouboule. Combien il nous faut pour le rat? 16. Ok. On arrive en Inde. Mais en Inde, il y a plein de gens, c'est cool. Hop, hop. Oh, on arrive dans les pays. Dans les pays du Maghreb. Enfin, l'Egypte. Ou au Royaume-Uni. Non, je veux pas de kystes. Ça va se voir, sinon. C'est quand tu commences à avoir des kystes au cul. C'est visible. Ok, ok. Petite capacité. Le rat. Rat niveau 2, il me faut 23. 23, 23, 23. On a le petit scanner en bas à droite, j'aime beaucoup. Ok. On arrive en Grèce. La Russie. En Russie aussi, il y a du monde. Il y a un grand espace en plus. La Russie ou la Chine? Je sais pas. Ouh, ça m'a l'air d'être la Chine. Pff, regardez la vitesse à laquelle ça moisit. Ça moisit, ça pousse du champignon. Plus virulent que le rhume. Vous allez ouvrir. Vous allez ouvrir. Ok, hop, on arrive dans les pays scandinaves. Regardez la vitesse à laquelle tout se recouvre, tous ces petits points rouges qui apparaissent, tous ces petits futurs clients du Kumehameha. On va faire une attaque suprême à la fin. Wow, je peux déjà choper le pigeon suprême. La zoonose extrême. C'est extrême, c'est extrême, la zoonose. Il y a une migration là. Insomnie. Non, 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 non. On va les laisser dormir pour l'instant. Dormez sur vos deux oreilles, petits. Dormez sur vos deux oreilles. Après, vous pourrez plus vous asseoir. Hop, 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 hop.
Je sens que ma maladie va ravager le monde. Hop, tip. Yep. Ouh, dans l'extrême nord. Yep. Petite bouboule au niveau des États-Unis. Au niveau des États-Unis. Tout le monde sait qu'ils ont plein de choses qui leur grignotent le cul là-bas. Hop, 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 ça germe dans tous les pays, ça germe dans tous les pays. Nausée, non. Hop. Un, dans trompi, hop. C'est trop bien, hein. Voilà. On va leur laisser encore sans qu'ils... Pas encore. Hop. Hop. On attaque l'Amérique du Sud, ça y est. Vous allez ouvrir. Ah bah on a déjà peuplé la moitié du monde. Oula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 l
Allez, petit, plus vite. Allez, 1, 2, 3, 4, Groenland va crever. Ok, c'est parti. Il nous reste l'Islande et c'est en modèle exponentiel, ça y est. Boum, 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 petite boule de cristal. Hop, boum, boum, boum. Allez. Les chercheurs saisissent la diarrhée. Alors, cette expression, j'ai du mal à la comprendre. Ils saisissent la... C'est dégueulasse. Moi, j'aurais mis « comprennent mieux diarrhée », tu vois, pour que tu piges, parce que saisissent, ça veut dire à pleine main, c'est un peu dégueulasse. Allez les Islandais, c'est les derniers à être infectés. On y est presque, la course est bientôt terminée, et après ce sera la course à la mort avec nos 120 et quelques points d'ADN, on va pouvoir bien les faire souffrir. 5, 4, 3. C'est parti. Cuméomé. Insomnie, kyste, paranoïa, inflammation, oui, ça va s'enflammer, paralysie, ouais, tu vas souffrir au point d'être paralysé, le coma, les crises, la folie, non, pas encore la folie, l'arrêt des organes, la suppression immunitaire, oui, c'est un beau tir, c'est gagnant qu'on a là, vous êtes prêts? La course à la mort. Une maladie inquiétante se propage. T'inquiète, on arrive. Vous allez nous repérer, mais trop tard. Trop tard, on est échalas. Les ports ferment en Norvège. Plus de victimes que la peste noire. 68 millions de morts déjà. 100 millions. Combattez le remède. C'est prêt, on fait la course. Qui gagnera en premier? Les chercheurs ou la maladie? Vu la vitesse à laquelle la barre noire commence à monter. Plus de victimes que la variole. L'Italie s'effondre. Tremblement de terre. Le cul a trop lâché. Allez, on va rajouter des petits symptômes. Infection systémique. C'est parfait, ça. Ça fait bien leur taper au système. Et les points d'ADN continuent de monter. Monter. La recherche a trouvé un meneur. Ils sont à 20%. Oui, mais la moitié de la planète est déjà ravagée. Maroc est en anarchie. Remède à 25% HP. Ça va pas assez vite, c'est ça? 27. Hop, tiens, regarde. Je casse tes bouboules. Et hop, je vais rajouter 70 points. On va rajouter encore des symptômes. Tiens, toi. Et toi aussi, l'hypersensibilité. Et toi. Et on a une létalité de presque... Je sens la victoire arriver. Je me mets déjà en position de winner. Allez, me fais pas mentir. Allez, Cubia Bervané anti-humanité. Hop. Victoire. Cubia a éliminé toute vie sur Terre. Normal, on vient de Namek. Ah, eh ben les poulets, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais si vous avez aimé le ravage que nous avons causé aujourd'hui, tu vas laisser un pouce levé. Le type de gène hélice. Ok. Et bien en attendant, comme je te disais, tu laisses un gène, tu t'abonnes si t'es nouveau sur mes vidéos, tu vas voir plein de délires dans ce genre. Et que dire d'autre? Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous souhaite un bon week-end à tous. Allez les poulets, vous savez ce que je vous dis? Peace et bye bye.